va tester plusieurs choses, plusieurs méthodes pour essayer d'en venir à bout. Ah, je meurs ! Quoi ? C'est tout ? Oh, c'est ça ! Parle au 3, 2, 1. Yo, Team Pika, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, les amis. Aujourd'hui, on se retrouve dans cette vidéo pour réaliser un test, les amis. On va réaliser un test de solidité sur un casque de moto. Parce qu'on nous dit à chaque fois, porter un casque en moto, c'est super important. Ok, mais est-ce que c'est vraiment résistant? Bon, oui, c'est quand même résistant, les amis, ça protège la tête. Mais nous allons réaliser un test extrême sur ce casque. On va lui faire vivre des trucs que normalement on ne vit pas habituellement pour tester sa solidité. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous, vous avez une moto et si vous portez le casque. Les gars, faut porter le casque, c'est super important. N'hésitez pas aussi à mettre un like si jamais vous êtes d'accord avec moi. Je compte sur vous, les potes. Si jamais, les potes, il y a 10 000 likes sur cette vidéo, on testera la résistance d'un bouclier du GIGN. Voilà, je compte sur vous, 10 000 likes, on teste le bouclier. Et le plus important, abonnez-vous pour suivre les prochaines vidéos. Car si jamais vous n'êtes pas abonné, ben vous pourrez pas voir les prochaines vidéos. Et ça, c'est assez dommage. Bon, ce casque de moto, les gars, c'est un casque intégral. Donc, comme vous voyez, casque intégral, ça fait toute la tête. On va tester plusieurs choses, plusieurs méthodes pour essayer d'en venir à bout. Déjà, de une, on va le faire tomber de la mezzanine. Nous allons le jeter de la mezzanine qui est à peu près de 3 mètres. Ensuite, je vais essayer de me mettre le casque et carrément de me taper la tête par terre comme un malade, comme ça. Et ensuite, je vous prévois de gros tests, mais ça, ça sera une surprise en fin de vidéo, les potes. Tu montres un peu trop là, tu montres un peu trop. Okay. Premier test, moi je dis, on se frappe la tête par terre. Oh. Ou même Médris, viens Médris. Carrément, Médris il me traîne par terre, genre il me soulève par les jambes et genre il me traîne la tête. Oh, genre tu sais, comme... c'est comme si genre je tombais en moto et que ma tête elle. Ouais, c'est vraiment à ne pas faire. Si quelqu'un tombe en moto et qu'il a un casque, faut pas le toucher. faut pas le toucher, faut pas le traîner. La personne, il ne faut pas frapper la personne. Là, les amis, dans ce test, c'est là où on va voir les rayures qu'il va avoir sur le casque. Ça va pas le détruire, mais on va voir comme il va être rayé. On peut voir déjà que mon magnifique casque, regarde, il est un petit peu rayé, mais pas beaucoup, tu vois. Genre, ça va encore. Bon, c'est parti. Attends, déjà, est-ce qu'il me va? Oh, impeccable. Ça va? C'est bon? Est-ce que ça va là? Hein? Ça va ou quoi? Bon, les potes, c'est parti. On va faire le test où on nous traîne sur 10 mètres. Médris, t'es chaud? Vas-y. Il y a un truc que j'ai toujours rêvé de faire, vous savez, c'est quoi? Regardez. Bougez pas. Nope. Oh! Nope. Ah. Le projet. Je vais réussir. Tiens les pieds. Tourne-moi. C'était pas mal, non? Ouais, on peut commencer la vidéo. Bon, Médris, t'es prêt? Vas-y. Attention. 1, 2, 3. C'est bon? Vas-y, tiens-moi en l'air. Non, mais je me mets. Je crois qu'il m'a niqué le pull. Non. Ah, si, un peu. Et aussi le casque. Ah ouais. Regarde le casque. C'est ta couleur par terre, t'as léché ta couleur par terre. Regarde la couleur ici. C'est en fait du sang. Attends, fais voir. Oh là. Oh putain, mais ce que ça a fait? Oh, et ça, il m'a traîné sur 10 mètres. Même pas, alors qu'en moto, vous tombez sur 50 mètres, hein, vous êtes mort. Et regardez ce que ça a fait au casque. Donc voilà, les amis, ce que ça a fait sur 10 mètres, vous voyez bien que le casque, il est mangé, franchement. Eh, il est mort. Si j'ai ça sur mon casque, les gars, c'est sûr que je le change directement. Bon, maintenant, on va passer au prochain test. Le test où c'est qu'on donne des coups de tête dans le mur. Pour ça, je vais laisser Médris faire. Hein? Ouais, parce que lui, il va s'envoyer des grosses têtes dans la gueule. Okay. Tu peux me tenir ça, s'il te plaît? Je crois que tu fais pas pareil avec les lunettes, bizarrement. parce que je les aime bien. Il est en partenariat avec Gunnar. Hey, moins 10%. Moins 10% avec le code Médrou sur le site Gunnar. C'est parti, Médris a mis le casque sur sa tête. Maintenant, on va aller dehors, là où il y a des aglos, carrément des murs. Et il va essayer de se frapper la tête contre le mur. T'es prêt, Médris? Je vais perdre combien de neurones? Je sais pas, beaucoup. C'est parti. Déjà qu'il y en a pas beaucoup. Hein? Hein? Quoi? T'as dit quoi? Non, j'ai dit déjà qu'il y en a beaucoup, donc... Ah ouais, voilà. Encore, Les gars, regardez, on va se mettre là, carrément là, c'est du béton, tu vois, parce qu'un parpaing, tu peux peut-être de faire un trou. Alors que là, le béton, c'est ta tête qui va avoir un trou. Tu fais de partout, tu fais la visière, tu fais les côtés, devant... Attention, Médris, est-ce que t'es prêt? Vas-y. 3, 2, 1, go! Quoi? Putain, mais c'est quoi ces coups de tête de victime? Non, on n'est pas dans un film. Ouais. Aïe! Alors Médris, est-ce que ça fait mal? Oh mec, ça fait super mal. Ah ouais? Tu sais que je pense que si j'allais plus fort que ça, je vais tomber dans le coma. Quoi? Dans le coma tellement? Je sais pas comment ça rend, mais tu fais...
Ah ouais. Je suis plus fort que ça, j'ai hyper mal. Le test du coup de tête est validé les amis. Maintenant on va tester au test, tu sais de quoi? Du marteau, genre coup de marteau dans la tête. Let's go, allez on va faire ça. Les gars, maintenant on va passer au test du marteau. Du coup je vais mettre le casque et Médric il va me prendre un coup de marteau. On va le faire sur ma tête, voir si j'ai mal. Et je vais vous dire mon ressenti. Si jamais un casque ça protège bien. Médric, cadeau. Oh merci. Les amis, grippe ma tête. Eh, vas-y doucement quand même, hein. Bah, mais bien sûr. Essaye petit à petit, tu vois. C'est quand tu veux, doucement. 3, 2, aïe. Oh, c'est fort ça. Pardon, 3, 2, 1. Ah. Oh, pardon. 3. Aïe. Eh, mais il va comme un bâtard. Tu vas fort. C'est mal. Eh, bah ouais, mais bon, non, en vrai, ça amortit bien. Ouais. Mais, ah. Eh, ça. Je sens quand même que tu m'as tapé là, tu vois. Ah ouais, ouais, de ouf. Regarde là ce que ça a fait. Ça a carrément enlevé la peinture. Même si tu portes un casque, si tu tapes plus fort que ça, je pense que tu me tues. Hein. Éviter de mettre des coups de marteau sur les gens alors. Ouais, éviter de faire ça. Pour le prochain test, les amis, on va essayer de voir si jamais on le jette de 3 mètres, est-ce que ça va casser la vitre? Est-ce que ça va. Je sais pas, moi en fait, je veux que ça se casse. Là, on faisait des tests sur nous, voir si on avait mal. Maintenant, faut le casser, faut le détruire. C'est parti, je monte en haut de l'échelle. Et sur une échelle de 1 à 10, tu penses qu'elle va se casser comment? Bon, est-ce que vous êtes prêts? Ouais! Attention! 3, 2, 1. Putain, c'est quoi que c'est pété? C'est plein de petits trucs à l'intérieur là, regarde. C'est le truc pour la bouche, pour le manteau et tout. Tout ce qui est censé te protéger en fait. Ouais, le truc d'ici là qui sont censés te protéger. Vas-y, hé, je vais donner un autre coup mais encore plus fort. Vous êtes prêts les gars? Vas-y, fais long. Attention, 3, 2, 1. Mais mec, c'est quoi ça? Attends, mais tu te rends compte que quand tu tombes en moto, tu peux te prendre une voiture plus vite que ça? Mon gars, le casque, il y a tout cassoté, tout le plastique sur le côté, le truc au-dessus et tout. Lavez les traces qu'il y a. Aïe, mon gars. Là, à mon avis, pour le dernier test, tu vas mourir. Là, ouais, pour le dernier, quoi, le dernier test. Le dernier test, vous voulez savoir? Tiens, Médric. Ouais. C'est ouais, à la hache. Mais non. À la hache, mon gars. On va le prendre comme ça et... Ouais. Pour essayer. Si tu veux. Bon, vous êtes prêts? Je suis... Ouais, bah, alors là, oui. Allez, Médric, mets le casque. On va essayer. Non, mais tu par tête. Bah non, non sur ta tête. Non, je rigole. On va faire tout ça par tête. Les amis, il est l'heure de détruire ce casque avec une hache, les amis. Là, à mon avis, ça a mon. Pronostic, Médric. Destruction totale. Pronostic, Geekmap. Pronostic vital engagé. Bon, je vais donner le premier coup. Ensuite, ça sera à vous. Je vais essayer de bien le donner, tu sais, là. Et faites super attention, par contre. Vous plantez pas la jambe, le pied ou quoi. T'inquiète. On n'a pas le temps d'aller à l'hôpital ici, on n'est pas sûr. Ouais. Attention. 3, 2, 1. Eh, par contre, il a résisté de ouf. Hein. Je sais pas si c'est parce que je l'ai mal tapé, mais on voit bien le trait ici. Non, ici aussi sur la vie. Oh les gars, je l'ai frappé vraiment comme au golf, genre comme si j'envoyais une balle. Mais ça veut dire que si jamais vous prenez une rambarde, ça peut sauver la vie. C'est parti, c'est à mon poulet Geekmap. Est-ce que tu es prêt? T'es prêt, mon Pierrot? Ouais. Attention, 3, 2, 1. Wouah! Il a résisté? Il a rien! Mais... Il a rien fait! attends! Oh! Ouais, ça maîtrise, ça maîtrise maintenant! Non! Pierre, c'est pas que t'as pas de force, hein, mais t'inquiète, on va installer le truc de muscu au local, tu pourras t'entraîner, t'inquiète pas. Alors attendez, qu'est-ce que ça a fait? Déjà, si, ça a cassé la vitre. Là, la vitre, elle est fissurée. Bon, Médric, c'est à ton tour. Montre-moi, je vais te montrer une lame. L'homme le plus fort du monde. C'est parti pour l'homme le plus fort du monde. On va voir s'il va réussir à détruire ce casque. Médric, t'es prêt? Ouais! Attention! 3, 2, 1. Oh! Oh, fais ça! C'est un choqueur. Ouais. Ça. Ah mais mec, c'est résistant de ouf quand même. Ah, non Pierre, j'ai envie de tester avec un truc. Un dernier truc, mais ça on le reproduira pas deux fois parce qu'avec vous, il y a quelqu'un qui va mourir. Pierre. Exactement mon poulet. Un coup de sniper à plomb, 20 joules. Je peux vous dire qu'avec ça, si on me tire dans la tête, ça traverse. Bon c'est parti les amis, on teste avec le sniper. Les potes, on va charger le sniper, regardez. Bon, Geekmap, qu'est-ce que tu nous mets là comme balle? Actuellement, je te mets des petits plombs blindés. Oh, c'est-à-dire qu'en fait, ils sont blindés. On a mis le casque juste ici. Je vais essayer de tirer sur le côté, on va faire plusieurs tirs. Je commence, ensuite ça va être autour de Geekmap et ensuite autour de Médric, ok? On met le petit trépied. Attention, 3, 2, 1...
quelque chose qui m'est retombé dessus. Oh les gars, la balle elle m'est revenue dessus, mais regardez. Elle est complètement explosée, genre. Tu sais que c'est une balle blindée. Attends, mais ça a tapé où? En l'occurrence, ça a dû taper vers là. Non, c'est là, non? Ça a pas tapé là? Ah ouais, ça a tapé là. Oh. Incassable. Incroyable. Ah ouais, mais. Incroyable. Ah. Incroyable le casque, les gars. C'est un vieux casque en plus. Il date de je sais pas quand. Eh ben, ça a résisté. Vas-y, dernier coup, on vise au milieu. Ok, vous êtes chaud? Oh oui. Let's go. C'est parti, deuxième essai de Geekmap. Oh, il a eu la peine. Le chopé. Oh mon gars. Mais ça, et on dirait, tu sais quoi, ça fait peur quand même. On dirait, tu sais, dans les reportages, genre, un mec a été tué, abattu en moto un et tout. Un mec aurait été tué. Eh, vous savez qu'est-ce que ça fait penser? Un casque dans H1Z1. Ah ouais, grave. Eh ben, écoutez les amis, on peut dire qu'un casque de moto, ça sauve énormément. Si vous prenez une balle de carabine à plomb dans le casque, ben en fait, vous craignez rien. Ben écoutez, on est d'accord pour dire qu'il faut porter un casque en moto? Exactement. Voilà, on est d'accord. Un bon putain de casque. Oh, ça va pas. J'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, je compte pour vous. À vous abonner. Oh putain. N'hésitez pas à partager, commenter et porter un casque en moto, c'est super important. Je compte sur vous. 10 000 pouces bleus, on teste un bouclier de serre. Je vous dis à la prochaine, c'est Pika. Peace.